bienvenue à l'émission Folklore Populaire, votre meilleure émission de la semaine. Cette semaine encore, on va voyager à travers le pays de la musique folklorique et on va vous emmener ça dans votre cœur. Vous allez voir, vous allez le trouver en enfance, je vous promets. Alors, notre premier invité aujourd'hui, oui, j'ai bien dit, on va se pencher vers M. Richard Hood. Bonjour, Richard. Allô. Comment ça va? Ça va bien. Tu viens de quelle région? Victo. Tu viens de Victo, bien trop loin, ça. Non, hein? Tu es accompagné de qui aujourd'hui? Patrick Dubois. Michel Côté. Puis tu vas nous chanter quoi? Une chanson de Georges Hamel. Laquelle? Qui m'a donné la vie. C'est une belle chanson. On écoute Richard Hood, madame, messieurs. Interprétation, M. Hood. Merci. Merci pour votre présence. On se retrouve tantôt avec une autre belle chanson. Oui. Merci.
Alors, cette fois, on reçoit M. Patrick Dubois. Salut, Patrick. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Tu viens de quelle région? Bien, je suis natif de Saint-Jacques-le-Majeur, mais là, je demeure à Sainte-Claude. Oh, tu t'es promené un peu. Hein? Oui, on se promène. Alors, tu viens à l'émission, mais tu nous chantes quelle chanson aujourd'hui? Si on pouvait s'aider, une petite composition de la première album. Oh. On écoute Patrick Dubois. Si on pouvait s'aider, mesdames, messieurs. On l'applaudit. Un matin, tu n'avais plus rien. Pourrais-tu continuer vers le droit chemin? Oublie le passé et pense à demain. La vie continue, choisis ton prochain. Aujourd'hui c'est très dur si tu penses au futur, aux enfants délaissés qui n'ont rien à manger, aux personnes qui sont seules. Non, pas d'amis, si on pouvait s'aider, on serait soulagé. Tu travailles tard le soir. Vois que tu es noir, le bonheur n'est pas là pour te recevoir. N'oublie pas qu'un beau jour tu seras apprécié, tu pourras continuer d'aimer ou pleurer. Aujourd'hui c'est très dur si tu penses au futur, aux enfants délaissés qui n'ont rien à manger, aux personnes qui sont seules, qui n'ont pas d'amis. Si on pouvait s'aider, on serait soulagé. Aujourd'hui c'est très dur, si tu penses au futur, aux enfants délaissés, qui n'ont rien à manger, aux personnes qui sont seules, qui n'ont pas d'amis. Si on pouvait s'aider, on serait soulagé. Si on pouvait s'aider, on serait soulagé. Patrick Godette, mesdames, messieurs. Vous savez, toutes sortes de gens qui se présentent ici à l'émission, en région, ils viennent de partout, ils viennent nous chanter hein, leur amour pour la musique folklorique. Je trouve ça merveilleux, des compétitions comme ça. Bravo, Patrick. Bon, on se revoit tantôt pour une autre pièce. Parfait. Oh, reçois ça, le pionnier de l'accordéon, moi je l'appelle de même. Il était Victoriaville, Michel Côté. Salut, Michel. Oui, ça va bien. Ben oui, ça va très bien. Moi, j'admire ton mouvement d'accordéon. Je l'ai toujours dit, tu es un bon de la région, puis je te félicite. Ça fait plaisir. Tu nous joues quoi aujourd'hui? Un petit ril, Henri. Ah, puis il s'appelle comment? Bruno. Ah, petit ril de Bruno. Il m'a pogné, là, hein? On écoute Michel Côté. Michel Côté. Bravo, Michel.
T'as des batteries dans les doigts? Oui. Ça marche, ton affaire. Hey, on se retrouve tantôt pour une autre pièce. N'importe quand. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on vous invite, si vous voulez revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site web au www.tvcbf.tv. Vous allez pouvoir toutes les émissions récentes ainsi que ceux de l'an passé. Aussi, si vous désirez assister à notre émission, nos prochains enregistrements s'effectueront le 4 février prochain, ici même au studio de la TVCBF. On vous attend avec... soyez pas inquiète, l'ambiance est écœurante, je vous le promets. Alors, on va aller retrouver cette fois-ci, monsieur Éric Labissonnière. Comment ça va? Ça fournit pas de bien aller, mon cher Bruno. C'est correct, j'aime ça entendre ça de même, moi. Alors, t'es venu avec ta chorale? Oui, oui, oui. C'est correct, Patrick Godette? Dubois. Je testais si tu souvenais ton nom. Patrick Dubois, Michel Côté et Rita. Hein? Alors, tu vas nous chanter quoi? Pardon, hier chez ma tante. Ah, qu'est-ce qui se passait là? Ah, on va voir. OK. Mes amis, Éric Labissonnière. Chez ma tante, il y a te bois joli. Parlez chez ma tante, il y a te bois joli. Le rossignol, il chante jour et nuit. La 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 la. Le rossignol il chante, il chante jour et nuit. Le rossignol il chante, il chante jour et nuit. Il chante pour ces messieurs qui n'ont pas d'amis. La 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 la. Il chante pour ces messieurs à qui n'ont pas d'amis. Il chante pour ces messieurs qui n'ont pas d'amis. Il ne chante pas pour moi, car on est une jolie. La 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 la. Il ne chante pas pour moi, car j'en ai une jolie. Il ne chante pas pour moi, car j'en ai une jolie. Elle est dans la la, les Hollandais l'ont pris. La 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 la. Si je vais la chercher, que donnez-vous, monsieur, si je vais la chercher? Je donnerai Versailles, Paris et Saint-Denis. La 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 la. Dans le fond. Tu vas dire de quoi, Eric? J'ai déjà été en arrière de quand là, mais c'est pas ça qui se passe tantôt. Ah non? Pas à tout. Hey, tu restes avec nous, on fait une autre chanson tantôt? Merci. Alors, on retrouve notre ami Richard Houde. Richard, tantôt, tu as chanté une belle chanson de Georges Jamel. Là, tu vas nous chanter quoi? Une composition. Composition de ton épouse? Oui, c'est ça, Carole Gagné. Carole Gagné, merci à Carole Gagné, hein? Oui. Alors, ça s'appelle? C'est Ma prière. Ah, on écoute ça ensemble. Mesdames, messieurs, on l'applaudit. Richard Hood, s'il vous plaît. À tous les soirs. Thank you.
mesdames, messieurs, vous féliciterez votre épouse. Très, très, très belle chanson. Merci. Très bien interprétée. Merci à tes collègues. Et merci d'avoir participé à l'émission. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Alors, on retrouve Patrick Dubois, qui nous revient avec sa deuxième pièce aujourd'hui. Et tu es accompagné avec un pionnier de l'accordéon. Hein? Oui, oui. Michel, là, c'est... Ah, on dirait, ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Deuxième pièce, tu nous chantes? Oui, Si tu aimais la vie. C'est une chanson de Vital Guilmette, un de mes oncles. Actuellement, il est hospitalisé et ça va pas trop bien pour sa vie, mais on va y chanter une petite chanson. Pour l'encourager. On va penser à lui. On l'écoute, mesdames, messieurs. Du bois, mesdames, messieurs. Merci infiniment, Patrick, d'avoir participé à l'émission. C'est un plaisir de vous recevoir. Et lâche pas, ça va bien ton affaire. Merci. Alors, on retrouve Éric Labissonnière. C'est le même qu'on dit ça. Tu viens de quelle région, Éric? Natif de la Mauricie, un petit village qui s'appelle Batiscan. Batiscan, oh! Et maintenant, tu es installé où? Eh bien, maintenant, l'été, on passe une partie de l'été à Princeville, car le camping Plage des Sables fait partie de notre devoir, effectivement. Ah, bien, petit camping Plage des Sables, Princeville, mesdames, messieurs. On a notre propriétaire ici, si vous avez quelque chose, gênez-vous pas. On est trop, par c'est exemple. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Tu vas nous chanter quoi? Un vieux western de la neige sur la Bible de mon père. Parfait. Toujours accompagné, bien sûr, de Patrick Dubois et de Michel Côté. On écoute, Éric Labissonnière. Presque pas connu mon père. Il est mort, je n'avais que 9 ans. J'ai appris la triste nouvelle de mon oncle qui est venu par les champs. Et de la neige sur la Bible de mon père, de la neige sur son tombeau, de la neige, une gelée blanche cristallisant les larmes dans
chapeau. De mon beau village ont eu lieu les funérailles de papa. Ma mère, mes frères, mes sœurs aussi étaient tous là avec les larmes au cœur. Et de la neige sur la Bible de mon père, de la neige sur son tombeau, de la neige et de gelée blanche. Le cortège filait lentement. De loin, on pouvait remarquer une énorme voiture de noir flamand. Et de la neige sur la Bible de mon père, de la neige sur son tombeau, de la neige et de gelée blanche, cristallisant les larmes dans la peau. Hey, hey! Oh! Le party est pogné, les amis. Le party est pogné. Hey, Eric, merci beaucoup de ta présence à l'émission. Un immense plaisir. C'est la première fois. C'est la première fois. Parle-moi de ton expérience. Comment ça a été? Très pépin. Très pépin. En tout cas, ça a été très pépé pour nous autres. En tout cas. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Nous remercions tous nos invités qui étaient présents, tous les gens qui étaient ici en studio et vous à la maison. Alors, ne manquez pas, le prochain enregistrement aura lieu le 4 février prochain. Sur ce, vous souhaite une excellente semaine et je vous laisse avec mon ami Michel Côté, avec la toune « Embrasse-moi, Joséphine, embrasse-moi », accompagné de Patrick Dubois à la guitare. Bonne semaine, tout le monde!